Bon alors les gars, merci de m'avoir invité Marco. Aujourd'hui on est chez toi, on a regardé, on a vu un petit peu ta chambre, donc on voit tout de suite que ça transpire la passion pour le sport auto, hein, t'es bien d'accord? Alors tu peux nous parler un petit peu de toi, voilà, comment tu es arrivé à faire de la simulation, d'où ça te vient, et puis voilà quoi. In alta classifica Marco Polo all'inseguimento di Johan Doriak. Eccolo qua, compagni di squadra, qui si devono tirare assolutamente i due, non devono fare i pazzi. C'est devenu déjà grâce à toi, même ouais, en partie à toi. Je suis venu une fois chez toi et j'ai vu ton poulain. Je connaissais déjà à peu près comment ça fonctionnait. Et j'ai essayé chez toi et j'ai de suite accroché. Et je me suis dit, il m'en faut un absolument. Et depuis, ben voilà, je me suis fait une postation, acheté un volant, un PC. Et voilà. Bah, Johan, alors, et toi, d'où ça vient ta passion pour la simulation? Et voilà, parle-nous un petit peu de toi. C'est la même chose que Marco. Je connaissais avant parce que j'avais vu quelques vidéos rapidement, mais je pensais pas que ça pouvait en fait se jouer comme ça. C'est pas plus professionnel, mais c'est plus poussé. Je veux dire, avec un bon volant, un bon pédalier, une belle postation, dans des championnats comme ça, je pensais pas que ça existait vraiment comme ça, quoi. Et c'est pour ça, pareil, quand je suis venu chez toi la première fois que tu m'as présenté, tu m'as dit, viens essayer. J'ai essayé, j'ai tout de suite adhéré, j'ai adoré ça, et du coup, derrière. Comme Marco, on s'est fait une postation et du coup maintenant on joue avec toi et avec vous. Donc les gars, en gros, vous êtes en train de me dire que vous êtes encore des novices en ce qui concerne le monde de la simulation. Par contre, moi, j'ai constaté le fait qu'il y a eu une nette amélioration depuis le premier championnat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a dit, je dois changer mon attitude, ma façon de faire? Moi, je dirais pas un déclic, mais à force de faire des erreurs, de percuter d'autres pilotes, déjà dans un premier temps, on ruine la course du pilote en question et la nôtre. Parce que moi, par exemple, sur la première course du Sachsenring, là, je percute personne, mais dans la ligne droite, je mets le DRS trop tôt. Donc la voiture part, je tape le mur, et dans ce championnat-là, il y a les dégâts sur la voiture. Donc là, la voiture, je pouvais plus tourner ni rien. Donc fatalement, j'étais obligé de me retirer dans les stands, et là, c'est fini, on marque pas de points. Donc voilà, à force de faire des erreurs qui coûtent très cher comme ça, au final on se dit qu'il vaut peut-être mieux que je prenne un peu plus de recul. Certes, je vais peut-être être un peu moins rapide, mais au moins je vais capitaliser, je ne vais pas faire d'erreur. Je vais finir la course déjà, c'est déjà pas mal. Donc la prise de conscience de identifier la perte qu'on peut avoir Voilà, avec un dégât soi-même à déjà l'accident, et les autres, ouais. voilà. C'est ça. Et en plus le fait de dire bon c'est une voiture mais derrière il y a un mec, ça aussi ça aide. Voilà, et il y a un gros point important. Et on va revenir dessus, c'est que là par exemple moi dans la deuxième course je fais une erreur de pilotage, je percute un pilote, et bien là je sais que la prochaine course, la première course, je suis pénalisé, j'ai un drive-through. Donc là j'ai des grosses conséquences derrière parce que la première course déjà je vais perdre du temps, c'est sûr un gros temps je pense. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes pendant la course, quoi? Qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi les émotions? Mais c'est l'adrénaline, elle est à fond à 100%. En fait, on est tellement à fond que le cœur il palpite à 200% et on veut tellement s'appliquer. Et des fois, on surjoue, on ralentit un petit peu trop. Alors que je suis sûr que si on est dixième, on passe beaucoup plus fort. Et je ne sais pas si tu ressens pareil, mais. Mais moi, en fait, ça me l'a fait la deuxième course. Quand on est parti, Marco était premier, moi troisième. J'ai pris un bon départ, je passe de suite deuxième. Là, on était un et deux. Je voyais que derrière on commençait à créer un gap, et là moi je le dis honnêtement, j'avais la jambe droite qui tremblait. J'étais hyper stressé, même Marco m'a dit dans le casque, je suis hyper stressé, je suis hyper stressé. Moi je lui ai dit la même chose, parce qu'on sentait qu'on pouvait Mais faire un ouais, truc. Ce sentiment c'est un truc de fou. c'est la On même sent expérience. qu'on peut, limite à un moment je me suis dit, ça se trouve on va faire un et deux quoi. Et là C'est ça. c'est un sentiment de malade, tu te dis putain là on va aller tout éclater. C'est ça. Bon, après on va tomber un peu sur terre, mais voilà, mais ce sentiment là c'est un truc de fou. Je pense que Je pense. l'expérience va nous faire quand même. Ah ouais, là, franchement, Mamma Mia, là, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué le plus dans ce championnat? Moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'il y ait un live. Donc, c'est toi qui commentes en plus. Mais le fait qu'il y ait un live, qu'on puisse regarder les vidéos et tout, c'est vraiment intéressant. Moi, j'aime bien. Et on sent de la passion en plus dans les commentaires. Donc, moi, j'aime bien. Ouais. On s'y croit en vrai, en fait. C'est Voilà. quoi qui vous plaît le plus quand je dis quoi? Mais même les commentaires et tout en italien, Mais vas-y, qu'est-ce que je c'est dis? énorme, hein? Mamma mia, Mamma mia ragazzi, che gara, che gara. Non, c'est Non, vraiment ça, ici, on s'y c'est croit à fond, énorme. C'est c'est énorme, énorme. ok. Qu'est-ce qui manque à ce championnat, les Honnêtement, les filles, les pom-pom girls, gars? Non, les cliqueurs. Bon, bah voilà, même les Français se pensent comme les Italiens. On me l'a déjà dit, il manque les... Non, honnêtement, moi personnellement, je trouve que celui-là, il est top. J'avais participé un petit peu à celui que tu avais fait sur Assetto Corsa, là, en Seat.
J'avais aimé, mais moins. J'avoue que celui-là, l'idée de courir en team, en plus avec un vrai pote, c'est franchement, c'est agréable. Et avec un autre vrai pote derrière la caméra, c'est agréable. Franchement, c'est cool. Ouais. Si on peut battre les Italiens, c'est pas mal. Ouais, d'ailleurs, c'est surtout ça, battre les Italiens, d'ailleurs. Ah oui, parce que vous êtes les outsiders. Donc, du coup, comme je vous ai... je pense que Ninci, Poli, Panebianco, ils sont en train de rigoler. Ils vont rigoler. Est-ce que vous êtes en contact pendant la course? Oui, tout le temps. Ouais. D'accord. Donc, vous discutez de stratégie. Qu'est-ce que vous vous dites? Bon, ouais, on va un petit peu... Pour résumer, moi, la dernière fois, j'ai dit à Marco, quand il était derrière moi, il était plus rapide. Donc, dans la ligne droite, là, du Sachsenring, je me suis décalé, je lui ai dit qu'il pouvait passer. Donc, il est passé, il a pu imprimer son rythme après derrière. D'accord. Bon. Vous voulez dire quelque chose au pilote? Qui se prépare bien parce qu'on va revenir plus fort lors des prochaines manches. Bon courage et bon courage. Non, sérieusement, c'est un plaisir de jouer avec eux et que, ouais. Franchement, qu'ils continuent à rouler comme ça. Ouais. Ok, cool. Bah, les gars, je vous remercie beaucoup. Merci. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous et surtout de vous avoir sur le circuit et pouvoir faire des lives. C'est pour moi un honneur. Donc, bah voilà, merci beaucoup. E poi alla prossima. Alla prossima. Ciao. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa intervista. Spero che questa chicca vi sia piaciuta. Mi sembrava una cosa bella farvi conoscere due dei piloti che partecipano a questo campionato. Quindi ho la fortuna di poterli incontrare. E niente, se il video vi è piaciuto, pollice in su, non esitate a lasciare un commento qui sotto. Iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. Ricordate di attivare la campanellina per essere notificati quando ne pubblico uno nuovo. Noi ci vediamo prestissimo. Ricordate, venerdì prossimo, la prossima live siamo al Salzburging. Mi pare che si dice così. Da Fabrizio è tutto. Ciao!